Pour ce qui nous concerne vraiment, nous n'avons pas joué, je n'ai pas reconnu mon équipe. Mais je pense que tout tourne autour d'un peu de panique qui est arrivée au niveau de l'administration. Jusqu'au cours de la préparation, nous avons reçu l'information que vraiment notre milieu du terrain numéro 10 ne pourra plus continuer la compétition avec nous. Puisqu'elle est de mars 2005, Fatma Tayaa Samora. Alors que nous avons constaté dans l'équipe ghanéenne, 4 joueurs qui sont de mars 2005 et 3 ont été titulaires. Il y a une joueuse qui était réserviste. Au cours du contrôle, puisqu'on fait le contrôle avant de commencer le match, donc nous avons fait la réclamation. C'est à l'administration fédérale de faire porter réserve. C'est pas nous, nous sommes des techniciens. Mais si nous constatons quelque chose d'anomalie, ou bien si ça correspond, ça veut dire que nous sommes pénalisés. Nous sommes pénalisés puisque nous avons enlevé une joueuse qui a été vraiment formidable lors de la double confrontation face au Libéria. Si on nous dit d'enlever cette joueuse, ça va pénaliser un peu l'équipe. Mais par contre, il faut que l'adversaire aussi soit de même.